Et ça y est, c'est le dernier jour, donc j'ai préparé à peu près toutes mes affaires. Il fait encore beau, et regarde, je crois que c'est un des premiers nuages. Il est où? Est-ce que tu peux voir? Je crois que c'est un des premiers nuages que je vois depuis que je suis ici. J'ai déjà été faire un tour dehors, je voulais voir pour acheter 2-3 trucs, mais les boutiques étaient fermées, donc j'ai pas de chance. Par contre, comme d'habitude, regarde, mon téléphone, il y a marqué, en gros, c'est marqué « Nous traitons votre demande, veuillez ne pas actualiser cette page ». Donc ça c'est cool, normalement il suffit, attends ça résonne peut-être un peu ici. Donc ça semble cool, sauf que ça fait déjà presque 10 minutes ou un quart d'heure que je suis en train d'attendre. Et c'est pour le billet de retour, parce qu'il faut enregistrer. Après il t'envoie un... il t'envoie, comment ça s'appelle là, il t'envoie une sorte de code barre pour pouvoir prendre l'avion, sauf que ça semble ne pas fonctionner. Donc j'espère que je vais trouver une solution, sinon je vais devoir demander à Morgane qu'elle le fasse pour moi, parce que là, sinon je reste ici. Aujourd'hui je vais essayer d'aller voir, est-ce que je vous le dis? Je pense que ça sera la surprise, j'ai pas mal d'idées. En fait, je voulais vous montrer, c'est Hollywood Boulevard. Mais c'est immense, là, t'as plein de monde. Et t'as quelques étoiles au sol, regarde déjà ici. Avec quelques stars. Guy Mitchell. Ah, t'as Guy Mitchell. Et bah, je vais aller me promener un peu. C'est une des premières choses que je voulais voir aujourd'hui. Et j'ai plein d'autres surprises à te faire, tu vas voir. Donc là, je sais pas par où je vais aller. Parce que c'est immense. Les bâtiments, ils sont grands. L'avenue encore très grande. Par contre, je me trimballe avec mon gros sac. Mais c'est vrai que je pourrais le mettre dans une consigne, mais vu que j'ai prévu de voir pas mal de trucs, je risque de bouger pas mal. Et moi j'attaque par où maintenant? Par où je vais comment? Je vais aller voir tout droit déjà. Ah, j'ai été voir au bout de la rue là-bas, il n'y avait pas grand chose. Le plus intéressant en fait, c'est de l'autre côté, l'endroit où je vais aller. Et depuis tout à l'heure en fait, t'as des noms au sol, même si la plupart c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Et il fait super beau aujourd'hui. Bah comme les autres jours tu me diras, mais là il fait un peu plus chaud, il fait plus lourd. Je vais te partager un petit bout de la rue quand même parce qu'elle est vraiment cool. Il y a tellement de noms, c'est vrai que si je passe le temps de regarder chaque nom qui sont écrits. Oh Mike Tyson, va falloir que je trouve un endroit où manger aussi parce que je commence à avoir vraiment faim. Mais il est pas trop stylé le prédateur. Immense. Bon on continue. Mais t'as des belles voitures aussi, regarde celle-là. Depuis tout à l'heure, il y a même un mec qui est passé, je pensais que je filmais, mais non, il était en vélo, habillé en... juste avec un drapeau américain et un vieux slip. Oh Superman, je veux un autographe. Reviens mec, c'est mon pote maintenant. Je le suis, il m'escorte. On va aller partout. Emmène-moi au bout du monde. Il y a une sorte de galerie marchande, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On va aller voir ça. Je m'incruste. Au moins il fait frais ici. Je vais juste devoir me taper des escaliers. Mais c'est pas grave, ça va faire mon sport de la journée. Apparemment tout le monde regarde dans le trou, je vais regarder. Ok. Et t'as plein de chemins là. Je sais pas par où trop. Enfin, c'est peut-être par là-bas. Il y a tellement de monde. Il y a de la musique de partout. C'est cool. Moi, je voulais voir les étoiles, tu sais, où tu mettais les mains. Ah, ça devait être là-bas, le chemin que ça rejoignait. On va aller voir ça, tiens, regarde. On va aller là-haut. Et en même temps, j'ai envie d'aller voir aussi ce qu'il y a au bout de la rue. On va essayer de voir un maximum de choses. On va avoir tellement chaud dans sa tenue. J'ai continué la rue de l'autre côté. Mais je pense que le principal en fait c'était vraiment là-bas. J'aimerais bien aussi trouver des souvenirs qui pourraient être sympas à ramener. J'ai trouvé, il me faut ce slip. Je vais ramener ça en souvenir. Et depuis tout à l'heure que je marche, t'as toujours des noms au sol. T'en as toujours partout. Je te montre juste là, t'as les grands boulevards. T'as plein de boutiques, t'as plein de trucs. Et dès que tu prends une petite rue en perpendiculaire, regarde. T'as strictement plus rien. Ah vous c'est rigolo hein. Faites attention, vous êtes en train de marcher sur Arnold quand même. Comment ça se fait que Spider-Man il est en train de prendre les passages cloutés? On va là-haut alors ou quoi? Est-ce que je prends l'escalator ou les escaliers? Les escalators en fait ça va beaucoup plus haut. On y est. Eh, c'est immense les colonnes là. Par où je vais aller moi? J'en ai strictement aucune idée. Je vais essayer d'aller tout là-haut, histoire de voir la vue qu'on peut avoir. Non mais je veux peut-être éviter les escaliers. S'il y a un escalator, je suis preneur les mecs. Bon bah je suis bon pour me faire les escalators les mecs. Les escaliers plutôt. Je suis arrivé de l'autre côté du truc. Je suis pas allé encore en haut. Et en fait je voulais voir ici parce que je trouvais que c'était super joli. Mais j'avais pas vu. Regarde ce qu'il y a au bout derrière le drapeau. Le petit panneau Hollywood qui s'est incrusté. Je crois que mon appareil il est en train de focus. Ah voilà, là normalement tu devrais mieux le voir. Donc c'est stylé, je m'attendais pas du tout à le voir d'ici. C'est parti pour les escaliers. Ça va monter dur. Mais je suis encore flou. Je suis tout le temps flou avec cet appareil. J'ai trouvé un resto là, je vais peut-être m'y poser. Ça avait l'air pas mal au niveau des photos. Mais ça se trouve, non, là je suis net. J'avais peur que depuis le début que je me filme, imagine, je suis flou depuis que je suis arrivé. Mais je pense que je l'aurais vu. On est au deuxième étage et on va au troisième. Moi je vais au troisième. On y est. Salut toi. On peut aller tout en haut de l'autre immeuble. On a demandé à l'hôtel aussi si on pouvait aller sur le toit histoire de filmer et tout ça. Mais
c'était interdit. Pour sécurité, je crois qu'il y avait une piste d'hélicoptère et tout ça, donc ils ont dit qu'on pouvait pas. Donc là, c'est par là où on est arrivé, et là, j'étais juste à côté du gros fauteuil avant. Donc t'as des gens qui sont à la piscine, là, normal, et t'as le Hollywood qui est là-bas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger, et après, je vais repartir dans d'autres endroits. Qu'est-ce qu'il y a dans la Japan House, regarde, c'est écrit encore. Japan House. Moi, je vous dis un endroit où j'aimerais bien aller. C'est, j'ai beaucoup aimé la série Californication et j'aimerais bien aller voir l'endroit où il y a son appartement. J'aimerais voir aussi. Non, ça, je te le dis pas. Tu verras après. Je suis assis. J'ai commandé un chicken bowl et on est dans un restaurant. C'est fusion latine et on va voir ce que c'est. Mais marrant le décor quand même. J'ai pris mon petit Pepsi. Poulet avec de l'avocat et des tomates. Une grosse salade, sa mère. Et tout ça rien que pour moi. Ouais. On est arrivé à la destination que je voulais vous montrer. Je suis à Beverly Hills. Là, je suis en train d'aller voir je sais pas quoi en fait. Et après, on va aller à Rodeo Drive. Eh, mais c'est super beau, regarde. Depuis tout à l'heure, t'as des boutiques de luxe et la rue, elle est sublime. Je vais voir si je peux sortir de l'autre côté. C'est quoi en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas, mec? Et toute la route qu'on a fait en voiture, franchement, il y avait des villas de malades. C'était un truc de dingue comparé à ce que je vous ai montré hier. Là, c'était tellement grand, c'était propre, l'herbe elle était taillée au millimètre partout. Mais là, je suis dans un endroit où le seul truc que je peux... Ah si, je peux peut-être m'acheter un café, tu vois. Mais les costumes et tout... Tiens, on va retourner là-bas. Regarde, on me voit dans le miroir. C'est moi. Je vais enlever ma grosse tête, comme ça tu verras mieux. Et normalement, la rue que je cherche, eh ben, elle devrait être je sais pas où. Elle devrait pas être loin, mais... Je sais pas trop où encore, mais dans tous les cas, là, c'est vraiment canon. Va falloir par contre que je me dépêche parce que, non là je te montre l'heure, c'est en France. Mais mon avion il est dans 2h30, un truc dans le genre. Ah, j'ai pas acheté de souvenirs mais je pense pas que ça soit ici que je vais pouvoir en acheter de trop. J'ai rien acheté pour moi en fait. J'ai rien acheté non plus pour Pauline. Parce que ce matin je voulais lui acheter un truc mais la boutique était fermée. Ma sortie d'achèvement elle est juste en haut. Ouais. Elle est belle celle-là. Attends, je vais faire gaffe de pas l'arriver avec mon sac. Je suis un enfoiré, hein, je t'ai fait poireauter avant d'y aller. Mais en fait, c'est parce que le feu là, je peux pas traverser encore. Ouais, c'est complètement un autre monde ici. Ah, une voiture de police, c'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup. Moi, bon, j'attends de traverser. Et... Je sais pas si tu verras, mais tout au bout, en fait, t'as les montagnes. Et ça y est, je rentre dans la rue. C'est vraiment joli, hein. Avec les petites guirlandes, ça doit être super mignon la nuit. J'ai fait mon tourisme, j'ai pris mes photos. Maintenant. Le truc c'est qu'en fait à chaque fois je me promène mais je rentre jamais dans les boutiques, tu vois, je dois être le plus mauvais touriste du monde que je regarde mais je rentre même pas. Je suis juste un mec qui marche et qui achète une canette à 1$. C'est cool, ils sont mignons les petits pots de fleur aussi accrochés aux lampadaires. Ah c'était rapide, ouais. T'arrives là et c'est déjà fini, il n'y a plus qu'à descendre. Bon je vais marcher quand même un peu ici avant de partir à un autre endroit. Un autre endroit à faire mon tour de trottinette. Même les arbres ils sont beaux ici, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'il y a à gauche? À chaque fois, c'est ça que j'aime bien, ça va être la surprise. Soit des fois, tu tombes sur une rue, on n'entend que dalle là. Une rue où il n'y a rien. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, ça se trouve, je suis pas super loin. Quoique, faire tout ça en trottinette, je vais peut-être perdre pas mal de temps. Bon, à tout de suite, les mecs. Ouais, tu vois, c'est ça qui est bizarre à Los Angeles, c'est que la rue qui était trop stylée était juste là-bas. Enfin, celle-là, elle est stylée, mais t'as plus rien. C'est que ça fait ça plusieurs fois, tu as la rue principale et juste la rue d'à côté. Et bah, regarde. Il n'y a plus rien du tout. Je vais faire plein d'endroits, mais je prends pas énormément le temps de regarder les alentours et tout ça. Mais j'ai tellement envie de voir un maximum de choses. Je me retrouve dans les allées américaines avec des maisons partout et des chemins à perte de vue. T'as la petite route avec un peu d'herbe là. Et après, t'as les maisons. Oh, mon téléphone. Ah, désolé si je brille de partout, mais je suis un gros dégueulasse. Non, il fait trop chaud. Ah, ça y est, tu commences à avoir des maisons vraiment pas mal. Regarde-moi ça. C'est comme on le voit dans les séries. UPS. On est du côté de. Aujourd'hui il y a énormément de vent, faut juste que je trouve. Ah, elle est grosse la baraque. Faut juste que je trouve maintenant ma trottinette. Et le mec du Uber, il était marrant, on se parlait, il me demandait s'il neigeait. Parce que quand on me demande, je dis Paris, c'est plus simple. Parce que si je dis je suis dans le Loire-Atlantique, ils vont pas trop savoir. Certaines personnes vont pas savoir où c'est. Donc je dis Paris. Et il me demandait s'il neigeait souvent. Donc je disais maybe. Je disais de temps en temps ça arrive qu'il neige, mais c'est pas fréquent. Et je lui ai demandé du coup ici, il m'a dit que c'est vrai qu'il neigeait jamais, il faisait tout le temps beau. De temps en temps il pleuvait. Mais il m'a dit qu'il fallait rouler à peu près 2 heures au niveau des montagnes là-bas et tu pouvais avoir de la neige. Après il me demandait à Paris s'il y avait la mer, donc il devait pas énormément connaître, mais il y en a pas mal. Je pense que quand tu habites dans des grands endroits comme ça aux États-Unis, tu connais pas forcément toutes les petites villes. Donc je lui disais non, mais par contre tu avais la Seine. Et si tu voulais te baigner, tu pouvais y aller, mais t'avais pas énormément de chances de sortir. Non, t'avais des chances de pas ressortir vivant. On va regarder où c'est qu'il y a des trottinettes, comme ça on va pouvoir aller voir la maison.
dont je vous parlais, enfin l'appartement maison. Notre voyage touche à sa fin. C'était cool, franchement, j'ai vu tellement de choses que quand je vais revoir les vlogs et les photos, il y a déjà des trucs que j'ai oubliés tellement que c'était condensé et dense. Donc maintenant, trottinette. J'ai mis sur mon téléphone la destination, j'en ai pour 14 minutes, mais c'est à pied. Et là, j'ai trouvé ma trottinette, donc c'est parti. Déverrouillage en cours. J'adore cette petite musique. J'ai mon véhicule tout terrain, maintenant il va falloir que je me débrouille avec mon sac. Je vais peut-être enlever mon t-shirt histoire de bronzer, mais je vais me taper la honte. Ça y est, j'y suis arrivé. C'était juste là qu'il y avait la série avec The Californication avec Hank. C'était l'acteur, pour ceux qui connaissent pas, qui jouait dans X-Files. Ouais, dans mes souvenirs, ça ressemblait à ça, mais je crois qu'en bas, c'était un peu différent. Et elle est où, la Porsche? C'est un rétro qui était cassé, un truc dans le genre. Et il se garait quelque part par là. Je te montre encore, là, c'est l'heure en France. Il est 11, ouais, il va être 11h. Et il me reste encore une petite heure à peu près, même un peu plus. Le taxi m'avait dit qu'il y avait une rue quelque part par là-bas qui était vachement cool. Donc je vais peut-être y aller. Mince, en fait, on me voit dans le reflet. Je suis pas certain, mais je crois que c'est vers un endroit par là qu'il m'avait dit de venir. Donc je vais trouver un endroit où je peux garer ma trottinette. Ah ouais, regarde, t'as même un marché en extérieur. Attends, parce que la trottinette que j'ai pris, elle a un peu destroy là. Je filme en même temps, ça me fera des souvenirs pour plus tard. Quand je serai vieux et ridé, que je pourrai plus marcher. Ouais. Hey, c'est cool cet endroit. Je vais rien acheter, mais c'est cool quand même. M'arrêter, rentrer dans un ou deux magasins. Parce que j'en ai marre, faut que j'achète un truc moi. Ça va être mon objectif. Ah là, je peux laisser ma trottinette. Tiens, je vais m'arrêter là. Mon nouvel objectif, ça va être acheter un cadeau. Mais j'ai aucune idée de quoi acheter encore. Mais en tout cas, ouais, elle est plutôt mignonne aussi cette rue. Tu vois ce que je vois. Il y avait des bonbons à l'entrée, c'est trop cool. Par contre, j'y pense, je vous ai même pas donné le nom de la rue. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle. Eh ben j'en sais strictement rien. Apparemment ça doit être une bonne adresse vu qu'il y a la queue dehors. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils vendent. J'arrive même pas à lire d'ici ce qu'ils sont en train de vendre. Moi je vais continuer jusqu'au bout de la rue et je reviendrai par l'autre côté après. T'as beaucoup de vêtements, de la nourriture, des vêtements, de la nourriture. Franchement ça craint les mecs, j'ai rien trouvé. Il est joli l'immeuble juste là. Du coup, ah je crois que ça continue encore un peu. Je vais voir plus loin et après comme je t'ai dit je vais revenir de l'autre côté mais... C'est bizarre, ouais, d'habitude j'ai une petite idée, une inspiration, tu passes devant un truc qui te fait ouais ça peut être cool. Et bah là non. Je suis arrivé dans le marché qu'on voyait tout à l'heure quand je suis passé en trottinette. Donc là j'aurais peut-être plus de chances de trouver des trucs originaux ou intéressants. Finalement j'ai réussi à trouver un joli collier dans le marché là en extérieur. Je vous le montre pas, comme ça sera j'allais dire la surprise. Bah non, parce que le temps que le vlog je le fasse et tout ça, elle aura déjà eu son cadeau. T'as intérêt que ça te plaise, sinon tu vas le ramener toi-même, ça te fera un peu de route mais tu peux le faire. Ça y est, c'est fini. Je vais y aller, il me reste 4 minutes de libre et après je suis parti. Il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui, il y a même un petit bateau qui est passé. C'était trop mignon. Toutes bonnes choses ont une fin comme on dit, malheureusement. Mais j'ai quand même hâte de rentrer à la maison. Mais je vous ferai une petite conclusion une fois que je serai arrivé en France. Parce que là je vais arriver à Paris et après il va falloir que j'attende un peu et je prenne mon autre avion pour Nantes. Et l'aventure n'est pas finie parce que j'ai garé ma voiture à un endroit à côté de l'aéroport de Nantes. Et je suis pas certain que j'avais vraiment le droit, donc ça se trouve, ce sera peut-être pas là mon retour. L'aventure continue. Ça y est, je suis de retour en France, les mecs. Je suis crevé, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Ouais, même beaucoup plus que ça. Et je suis pas certain de voir ma voiture, donc ça me fait un peu flipper. Ouais, dans l'avion, en fait, j'ai regardé plein de films et j'arrivais pas à dormir. J'avais trop mal aux jambes, j'avais mal partout. Et sinon, ouais, j'ai acheté d'autres souvenirs. Là où t'as les mecs qui font de la muscu, ils te vendaient des t-shirts. Tu choisissais le t-shirt et tu pouvais faire des impressions. Donc j'en ai pris un pour moi, un pour Pauline et un pour Eric avec qui je vais à la salle de sport à chaque fois. Je lui avais dit que je n'en ramènerais un. Ma voiture elle est là. Ah, parce que partout c'est que des places payantes, tout est payant. Et je me suis dit je vais tenter le coup. Je suis garé juste là-bas. Donc nickel. On s'arrête là les mecs. Merci. Bon, un peu de musique. Merci à tous, rendez-vous pour de prochaines aventures. Moi j'ai pas répondu à Pauline, là j'ai laissé le téléphone en mode avion. Comme ça elle va croire que mon avion a du retard et je vais... Enfin, j'ai quand même 50 minutes de route mais genre je brancherai le téléphone juste avant d'arriver. Je lui dirai ouais il y a eu du retard, ça lui fera une petite surprise. Donc merci à tous, franchement c'était une expérience incroyable. Encore merci à Warner Bros, merci à Minuit 12. Merci aux gens de Los Angeles, c'était top l'organisation. Tout était trop bien. Maintenant, j'ai hâte de retrouver mon lit et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ciao !